pour le programme de ce soir. On fait une annonce sérieuse ou on fait une annonce... Je voudrais remercier toute la famille PSG. Tous les supporters. Ah, mais franchement, moi, j'aurais préféré que ça soit Mbappé qui dise « Je prolonge pas le président qui le dise, tu vois. Le président, il a volé ce monde. Il dit « Ouais, tiens Kylian, t'as un mot à dire. » Et là, Kylian dit « Bon, voilà, le PSG, c'est mon club de cœur. Voilà, tu dis ça. Et tu dis « Je prolonge jusqu'en 2025. » Voilà. Et le scénario était là. Dans ma tête, j'avais déjà organisé le scénario. Dernier match de championnat PSG-Metz. Avant le match, on lui sauf que c'était pas le speaker, c'était pas le speaker qui est. Parce que moi, dans mon imagination, c'était le speaker qui disait « Bon, Kylian, dis-nous tout. Que feras-tu la saison prochaine ? » Les gars, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit, messieurs. Je l'avais dit. Hein. Il est quoi ? Il est 20h56 dimanche soir, les gars. On va commencer le Fut Champion sur Xbox. Et on a une petite surprise à la fin. Comme chaque vidéo. J'ai des sources sûres, selon Fabrizio Romano et Sabri Parisien. Voilà, comme quoi, il y aurait un pack icône. Moments 93 plus à la fin de la vidéo. Exactement. Donc les gars, on va commencer quelques matchs Fut Champion sur le compte Xbox. Ouais. Et puis après, on va aller sur... Avec le retour d'une légende. Avec le retour d'une légende, ça, j'ai pas trop de sources. Petit big up avant à Toto, qu'on embrasse fort. Les gars, si vous kiffez la vidéo, le gros pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification et à nous rejoindre sur Twitch pour rejoindre les fraudes qui sont à droite de l'écran. Juste, et les gars, juste avant aussi, je voudrais parler de notre partenaire Nikon, les gars. Voilà, si tu veux avoir des accessoires de gaming, de haute qualité, tout ce que tu veux. Pour du gaming, n'hésite pas, il y a des chaises, il y a des manettes, il y a des accessoires audio, il y a des casques. Il y a tout ce dont tu as besoin justement pour l'univers gaming. Le lien sera là dans la description, les gars. Et voilà, on les remercie encore une fois, Nikon, qui est un partenaire fidèle de la chaîne. Donc voilà, les gars, là on va commencer Fut Champions. Du coup, les gars, on va commencer Fut Champions avec l'équipe. Et oui, et donc du coup, la légende, c'est qui? La légende, les gars, c'est Robin Van Persie qui va jouer les 5 premiers matchs de Fut Champions. Ensuite, je vais jouer, les gars, avec une nouvelle recrue. La recrue du dernier pack icône, ça sera Luis Figo. Mais j'ai envie de me faire plaisir, les gars, sur les 5 premiers matchs Fut Champions avec Robin Van Persie. Et comme t'as pu le voir, j'aménage un petit peu l'équipe pour faire entrer Acuña Tots en tant que défenseur gauche parce qu'il a des super belles stats. Je pense que son poste est au milieu de terrain, mais en tant que défenseur gauche, il a quand même des super stats. Donc voilà, on va le tester en tant que défenseur gauche parce que je peux le faire entrer. J'avais juste switché justement Cantona Maradona parce qu'avant l'équipe elle était comme ça. Et là, du coup, tout le monde est à 10 de collectif sauf Lionel Messi. Et si tu veux savoir in-game comment je joue, bah c'est la même composition. Équilibré, 4-3-1-2, c'est la formation que je kiffe en ce moment. Avec Robin Van Persie, Léo Messi, Maradona, 3 buteurs, 3 attaquants, 3 offensifs qui sont gauchers. J'aime beaucoup jouer avec des gauchers. Donc du coup, après, au milieu de terrain, tu auras Lothar Matthäus, Emmanuel Petit et Eric Cantona. Et les gars, avant ça, il vous a pas dit, mais il a 1 400 000 crédits. Exactement, les gars. Il a fait une sacrée masterclass sur des Toni Kroos qu'il avait acheté il y a quelques jours et qu'il a revendu pour un total bénéfice de 100 000, je crois. 100 000 crédits après profit. En fait, c'était il y a une semaine, les gars, je fais une draft pour la petite histoire et je tombe contre un Toni Kroos Superb. Et je me dis, attends, la semaine prochaine, c'est la Liga. Todd, je pense qu'il peut avoir une hype sur ce joueur-là. Et Toni Kroos, en fait, j'avais acheté les 3 pour 611 000 crédits. Et je me suis fait de bénéf après tac, genre 106 000 crédits, quelque chose comme ça. Donc voilà, sur 3 Toni Kroos que j'avais gardé pendant 3-4 jours, ça vaut quand même vachement le coup. Et là, tu peux même voir que sur Xbox, il est introuvable. J'ai les genres Instinct. Par contre, ça me fait un peu peur. Parce que limite, je pense que j'aurais pu le vendre bien plus cher, les gars. J'ai peut-être fait une bêtise de le vendre tout de suite. Oh là là. C'est pas grave. Bah en fait, la masterclass reste une masterclass, mais on enlève les M majuscules sur masterclass, messieurs. On aurait pu tripler le bénéfice, là. La victoire a un goût amer. Et là, je vais pas parler aussi, les gars, de la défense centrale, elle est quand même oufissime. Hein. Ruben Dias Laporte, j'aime beaucoup, les gars. Comment tu vas, Coloc? Bienvenue. On fait un live long. Amine, je sais pas si ce live sera super long. Magnifique le centre, dommage. J'ai vu l'espace qu'il y avait pour Van Persie. Oh non, Maradona, il fait le mauvais contrôle. Après, c'est Van Persie. Ah, mais bizarre le but, les gars. Très bizarre le but. Fernandinho, à part ces moments où il a un peu le vice, mais tu vois, Fernandinho, pour moi, il est cramé. Ouh! L'ami Guerrido avec 25 abonnements offerts. Guerrido, merci Guerrido, c'est pour toi Guerrido. Waouh,
Waouh! Oh, le croqueur! Oh, le croqueur! Voilà. Ça, c'est du délai gameplay. Je peux rien faire, les gars, parce que ça, c'est du délai. J'ai même pas vu. Non, c'est du délai, je peux rien faire. Mais à Dortmund, je pense que t'as une ou deux. Enfin, une tribune qui ne chante pas. C'est la tribune qui était juste à côté de nous, parce que c'était la tribune. Nous, on était tribune visiteur, et juste en face de nous, ça chantait pas trop. Mais sinon, tout le reste du stade, ça chantait à Dortmund. Je sais pas si la virgule était nécessaire en vrai, mais t'as bien fait de la caler. Oh! Oh le roi! Yes! Merci frérot. Oh le roi! Oh les gars, j'ai eu chaud, j'avoue, j'ai eu chaud. Je garde pas tout pour moi. J'ai pas mis tout l'argent de la chaîne dans ma poche. Je vais poser une question simple. Est-ce que Liam met ce genre de but? Je pense que la réponse est dans la question. Non mais Vincent a réussi à le manier, le Robin Van Persie, c'est assez incroyable. Franchement, ça c'est très respectable, Vincent. Ce que tu fais avec Robin, c'est très très respectable. Très très respectable. Justement, pas trop, Liam. Je suis désolé, mais bah, si c'est des pères, si c'est des pères de famille à qui tu fais ça, c'est pas sympa. Voilà. Kanto, il score, mais il est fort. Il score, là, c'est mes 2000 terres, les gars, qui ont scoré. Moi, je vous dis, c'est ça, la force de mon équipe. Magnifique, ça, Ramos. Bien joué, Vincent. Ça, c'est là où ils abusent cette année, là. Cette année, ils abusent parce que là, je sais même pas quel pack on aura, les gars, mais c'est pas de 25 000. Pack à 25 000. Pour une équipe à 89. Bon, en même temps, les Fodors valent tellement rien en ce moment que... Ouais, mais alors, une équipe à 80 000, on aura rien. C'est vrai, ça. On n'oublie pas, mais ça, je pense que Vincent, faut se faire l'idée que IE ne donnera plus jamais des bons packs. Au moins, c'est vendable, quoi. Mais j'aurais jamais testé Figo, les gars, du coup. Je l'aurais jamais testé. J'ai dû acheter 2-3 joueurs pour faire cette équipe. Rien de bien grave. J'ai dû acheter Navas et 2,87. Bon, j'ai dû mettre 40 000 dedans, les gars. On va envoyer ça, du coup, les gars. On va envoyer Mounian. Lewandowski, j'ai dû acheter pas mal de joueurs, là, pour le coup. J'ai dû acheter pas mal de joueurs. Il nous restera une équipe. Et du coup, les gars, j'aurais mis entre 170 000 et 200 000 crédits pour le SBC. Et j'aurais vidé mon club. Ça reste plutôt correct, si tu me demandes. Entre guillemets, c'est plutôt correct. Surtout que là, il reste quand même 1,2 million de crédits. Là, t'es bien, Vincent. Il est très très bien. Alors là, les gars, dans le chat, montre-moi le chat. Non, mais le chat il dort. Non, mais montre le chat au bas sur YouTube. Non, mais le chat il dort, les gars. Le chat il est vraiment frauduleux en ce moment sur Twitch. Parce qu'en fait, les gars, je suis en train de faire écouter cette musique là. Regardez, les gars, c'est cette musique là. C'est Vamos à la playa. On est en train d'écouter ça en stream. Ouais, le chat, ça dort dans le chat. Je comprends pas. En plus, il y a le logo, les gars. Et en plus, il y a le logo. Je suis en 9-0 en FUT Champions. Non, mais je te jure. J'ouvre un pack Moment Sicon 93 Plus quelques heures après sa sortie. À quelle heure on voit ça chez Liam? Quelle journée, quelle heure, quel mois, quelle semaine on voit ça chez Liam? En quelle année? Mais Vincent, moi je tape R9, je tape pas. C'est ça qui est frauduleux, les gars. C'est ça. C'est que moi je donne rien à ce jeu, mais le jeu me donne tout. Et toi tu donnes tout à ce jeu, le jeu ne te donne rien. C'est comme dans la vie. C'est le moment de l'écrire, les gars, notre histoire. Rendez-vous ce soir en live stream sur Twitch pour terminer le Sud Champions. Vamos. On souffle, messieurs. Même lui il est perplexe, même Yashin il est perplexe, il sait pas trop quoi en penser. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les futures vidéos. Les jours passent et se ressemblent, les packs icônes s'enchaînent et se ressemblent pour Vincent, c'est terrible. Ah du coup non, bah c'est ça, bah ouais, mais je pensais que moi qu'ils avaient retiré tous les joueurs russes du jeu, tu vois, pour dans les packs, mais bon, je pense que bah, c'est fou en fait. Ah mais c'est terrible, bon les gars, force à un petit like, un petit soutien pour Vincent, et puis on se capte, bah du coup ce soir, là, on a même pas vibré les gars, non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vibrage, il n'y a rien eu, il y a rien. Et je vais envoyer un pack Moments, moi cette semaine sur le compte PlayStation. Enfin. Quand, je sais pas. Demain. Non, pas demain. Demain. Pas demain, Vincent, mais dans les prochains jours. Dès qu'il y aura des bons, s'il y a des bons choix joueurs, etc., je pense qu'on va s'envoyer sur ça. En tout cas, prenez bien soin de vous.
Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent, gros bisous les gars, gros sur ça. Vous c'est pas grave les gars, c'est qu'un jeu. Que du love, j'aurais bien kiffé les gars ce soir. On se capte demain les gars. Bisous. Peace.